faire chez nous. Ça m'intéresse. Putain, 1,9 million pour la méga bombe. Ah vache, non, non, je peux pas là. Là, je peux pas là. Quoi que si, je pourrais. Non, non, non. Non, 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 non. Faut pas déconner. Alors, pour augmenter. Bah, t'as ça, mec. Regarde. Attends, plus j'en ai 4. Tiens, non, attends. Pas déconner. Regarde. Je vais aller sur une planète qui est juste à côté. Voilà, un T1 là. Hop. Donc, il me faut. Oh, c'est beau ça. Il me faut. Mais. Ok, bon, j'ai quelques brins d'herbe là. Voilà, j'ai des arbres. Non, non, je ne suis pas. Ok, j'ai quelques herbes. C'est ce qu'il me faut aussi. Voilà, faut juste que je prenne de quoi faire un écosystème. Enfin, un léger écosystème. Bon, ça c'est suffisant. Il manque juste les herbivores et les carnivores. On va bien en trouver. Donc, on va se mettre à côté de notre colonie. Alors, on va pas lâcher la pluie de météorite juste à côté, mais pas loin. Ok, et donc il nous va nous falloir des petites plantes, des plantes moyennes et des arbres, ainsi que des herbivores et des carnivores. Bon, pour le moment, je vais chercher des carnivores et des herbivores quelque part. Quand même, pour être sûr. Je vais aller directement les chercher sur notre planète. Mais, ah, pas une bonne idée ça. Je vais aller les chercher juste à côté, ici. On est sur quoi ici? Sur un terrain. Bah écoute, c'est parfait. C'est exactement ce que je veux. Et on va aller chercher donc quelques... Les textures ne chargent pas. Là. C'est bizarre comme créature ça. Sont des oiseaux herbivores. Bon, on va les prendre. Ok. Ouf.
en prendre quelques plantes. Oh, tiens, il y a des créatures là. Ça va être les mêmes. Ok, et il manquera juste les carnivores. Non, non, putain, je veux... D'accord, ok, pas de soucis. Un peu plus quand même, histoire qu'il puisse se reproduire quoi. Bon, allez. On va savoir c'est où. Quoi, c'est ça? Bon bah je crois que j'en ai détruit quelques-uns quoi. Planète qui fait chier. C'est là-bas. Putain, c'est à l'autre bout, ouais. Non, mais faites chier les mecs. Faites attention à votre écologie, quoi. Je sais pas. Faites un effort. Bon, 3 minutes pour trouver. Ah oui, mais c'est un T3 encore. Je peux pas passer à côté de ça, quoi. Bon. Moi je veux bien, mais le problème c'est que j'ai presque plus d'énergie, mec. Dans la ville. Oh non, non, monsieur. Oh la blague, ça. Parce qu'il y avait un objet à récupérer, quoi.
Bon les mecs, vous... Putain mais laissez-moi pivoter la caméra. Putain, ils sont juste là. Oh, c'est pas vrai, je vais pas réussir. C'est bon. Eh ben. Bon. Bon, allez, on y retourne. Donc la planète que je voulais améliorer, c'était... Bon, on va partir. Hop. Donc c'était pas loin de la mienne, c'était celle-là. Bon bah je peux la rejoindre par là. Non, je peux pas. Allez. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Donc, normalement j'ai tout ce qu'il faut dans la soute. Donc en espérant que j'ai assez. Ouais, normalement 4 4 trucs ça devrait aller. Alors je me mets en mode comme ceci et il faut là que j'augmente la... Non, alors c'est pas ça, c'est le terraformage. Voilà, c'est ça. Que je m'éloigne un peu. Ok. Donc j'attends que l'effet s'estompe pour lancer un deuxième. Ok, alors je vais juste en balancer un deuxième pour être sûr. Il faudrait un truc aussi pour augmenter un tout petit peu le climat. Mais bon. Allez, ok, donc là il me faut les herbes. Donc les herbes. On va commencer par les petites herbes. Ok, ensuite on a les feuillages comme ceci. Allez, hop. Voilà. On a les arbres. Alors j'en ai 5. Et ça fera l'affaire. Et on a les herbivores. Donc là que je dois déposer délicatement. Ah oui, le son doit être un peu fort, je suis désolé. Bon, et là on met les omnivores et comme ça on est content. Il manquerait juste une espèce d'herbivore pour être bien. Juste une question, vous n'avez pas un truc pour relever un peu votre atmosphère? Générateur d'atmosphère. Putain, il se fout de ma gueule en plus. Mr. Sherm, not Mr. Sherm.
Allez, hop, et j'ai qu'à aller chercher une autre espèce. Donc j'avais été... J'avais été là-bas, hein, mais on... Et si on allait chercher chez nos alliés? Par là, qu'est-ce qu'il y a? Sinon, là-bas, y a des herbivores. Là, il y a des herbivores. Et c'est en T1. Raboudin, des rabouins, pardon. Ok, donc on va là-bas. Et on est en T3. Il nous manque juste... bien. Alors, mais baisse-toi, voilà. Dans la soute, on a donc nos rabouins. Ok, je peux placer une deuxième colonie si j'en ai envie. Et mon... Ok, alors faut que je me magne si je veux monter 3. Donc... Si je veux le T3, faut que je me magne. Donc on va aller... Faut qu'on retourne sur notre colonie rapidement. C'est ça, hein? Ouais. J'espère que j'y arriverai à temps. Ok, donc il me faut... Il me faut déjà des trucs là... Ok, alors ces créatures-là, rien à foutre. Également, c'est ça. C'est quoi ça? Un carnivore. Ah, ça m'emmerde, ça, c'est pas ce que je veux. Ok, j'y avais ça. Ok, non, ce que je veux, c'est ce truc-là, là. Voilà, ça, c'est des herbivores, ça. Ouais, allez, hop. J'espère que je suis bon. Je suis sûr que ça, que j'ai foiré le, enfin, je suis sûr que le T... Non, je suis encore en T3, donc c'est bon. Faut juste que j'aille près de ma colonie. Enfin, remarque, c'est pas nécessaire, mais hop, que je descende. Allez, et là, je commence à poser. Ok. Ça. Ça. Un herbivore. Je suis à deux doigts d'y arriver.
Je suis à deux doigts d'arriver à passer cette planète là en... L'Empire Taureau, qu'est-ce qu'ils me veulent? Oh, une relation familiale? Faisons sauter les bouchons de nos breuvages à bulles favoris et devenons alliés, qu'en dites-vous? Eh ben, je dis banco, mec, banco. Je suis tout à fait d'accord. Et tu vas aller péter la gueule des deux qui restent là-bas parce que j'ai pas envie de d'entrer en guerre avec toi de nouveau. T3. Il est passé en T3. C'est validé? Non, tu charries. Non, c'est pas validé. Bon, il me manque un herbivore et un omnivore. Et ça, je les trouverai sur ma planète à moi. Donc... On y va. Parce que je prends des trucs qui sont sur les planètes T1. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait une lune à ma planète. Alors, ce qu'il me faut, c'est un herbivore. Ah bah c'est moi-même. Ça va poser problème. Bon, sinon il y a l'omnivore. L'omnivore. Alors on va voir un petit peu ce qu'on a. Ces créatures là? Faut croire, hein. Ça je m'en fous. Ok, donc ça c'est bon. L'autre herbivore c'est moi-même, donc il faut qu'on trouve un autre herbivore sur une autre planète. Un autre herbivore sur une autre planète, et pour cela on va aller chez nos alliés ici. Parce qu'il me semble que... Non, c'est un T1. Je sais pas si... Non, ils ont pas d'herbivore. Ah oui, d'accord, ils sont en T1 mais pas validés, donc... Donc ici ça sert à rien. Ok, je vais aller là-bas. Je vais aller chez nos alliés de l'autre côté. Où en est notre relation? Et on va bientôt racheter leur système. Alors déjà, salut, hein. Voilà. Niveau commerce, t'as des trucs qui t'intéressent? Ouais, ça, je veux bien te les vendre. Et je viens juste te piquer 2-3 espèces. Alors, tu as... Oups. Ok, il y en a là-bas. C'est bon, 4 ça ira, mec. Mais... Allez, hop, les groin-groins. Ouais. C'est une idée. Allez,
Donc ça... Bah, c'était pas des gisements verts? Non, je me plante là, je me plante. Je suis pas du tout dans la bonne... dans le bon truc. Voilà, c'est cette planète. Et il est toujours en T3 non validé. On va le valider tout de suite. Il manque un... Putain, il manque un omnivore. Mais quel... Con! Mais quel con! Bon. Ça fait rien. Résultat, je sais même plus quelle espèce... Ouais, c'est l'autre, celle-là. Ouais, c'est celle-là, c'est les coins-coins. Comment est-ce que je... Voilà, et il me manque juste un herbivore et je suis à deux pas de, donc il me faut un herbivore et enfin il me faut un omnivore. L'omnivore, c'est chier, j'aurais pu le prendre en... au passage. Ben ça tombe bien, mec, je passais. Bon, on va pouvoir acheter leur truc. On va quand même l'acheter à 4 millions. Pour être sûr. Ah oui, ça c'est leur T1. Sur leur T1, oui, il y a un omnivore. Donc, s'il y a un omnivore, il est pas loin en plus. Ouh. Ah, j'allais dire. Ouais, mais ça a l'air d'être tort. J'ai eu des bébés en fait. Bon. Bah eux... Je m'arrête juste rapidement. Hein. 5000? Allez, pour être sûr. Oh non! Oh non, 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 les mecs, non. Bon, ok. Les systèmes principaux, faut les acheter à 10 millions. Faut les acheter à 10 millions ou ils veulent pas. C'est normal, en même temps, c'est leur planète mère, quoi. Je veux dire... bon, voilà. Bon, donc on n'y est pas. Donc on n'y est pas pour acheter leur système solaire. En attendant, bon, bah, on va attendre que les relations s'améliorent. Ils ne peuvent que s'améliorer, de toute façon. On n'est pas en guerre. Et on va voir avec les oranges tout à l'heure pour détruire les verts. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Allez. Ouais, on est toujours en T3 non validé. Il manque plus qu'un herbivore à caser. Ben, un omnivore, je veux dire. Et on y est. C'est ça. C'est cool. Allez. Donc on va déjà améliorer la colonie qu'on a actuellement. Alors première chose qu'on va faire, c'est ça. Faut la protéger. Ensuite, on va voir comment on peut optimiser tout ça. Alors, déjà, ici,
ici on peut mettre une usine. Ici on peut mettre une usine avec deux habitations. Ici on va rajouter une autre usine. Avec deux habitations. On est au max et on est en bonheur. Donc on est bon. Et on produit 120 à l'heure. On produit 120 à l'heure. C'est quand même énorme. Donc, et j'ai deux autres colonies en stock quand même. Donc ben, on est parti. On est parti. J'étais parti pour en refaire une ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici ou par là? Ah ouais, par là il y a de l'eau, tiens. Okay. Non, c'est de l'eau qui s'est formée ou... Ouais, ouais, c'est de l'eau. Ok. Ouais, non, on va pas la bâtir dans l'eau quand même. Je sais pas où est-ce qu'on va la mettre. On va les éparpiller un peu. Alors, on va la mettre là-bas. Au bout du continent. Ouais, ici ce sera parfait. Allez, hop. Ah mais il n'y a pas d'épices à proximité. Non, le mieux c'est quand même au niveau des épices. Pas bien terrible ça. Je vais plutôt le mettre là. Ouais, ici. Ici ça me paraît bien. Non, tu veux pas? Ici? Bon, ici alors. Bon, je sais que j'ai reçu un appel, mais je vais patienter en attendant. Ça doit être l'autre empire qui va vendre sa colonie, mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, donc on va attendre. Parce que de toute façon, à mon avis, faut les acheter à 10 000. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, on va mettre notre complexe ici. On va mettre nos usines. Notre usine ici, dans un premier temps. Et on va mettre des habitations. Donc ici, ici, là, et là. Donc là, on est en full bonheur. On va rajouter une usine ici. Habitation ici, une usine. Ici et un logement ici. Et on, pareil, on est à 120 et on fait ce qu'on peut. Donc c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Allez, hop. Deuxième colonie fait. La troisième, on va la faire par ici. On va la faire par ici. On va la faire maritime. Maritime. Donc. Voilà, merci. Et on va la mettre le plus proche possible de l'eau. Voilà. Genre... Genre pas sur l'eau, mais presque, quoi. Il a pas voulu. Bon, ça fait rien. Rien, donc là même topo, un peu de gestion de base hein, ça fait partie du jeu hein, donc et là au moins voilà, on a une colonie qui produit, qui est bien, mais voilà, c'est long quand même, c'est long de faire tout ça. On va mettre le complexe ici.
mon avis, on peut difficilement faire mieux. Colon 3. Vous avez placé 50 bâtiments coloniaux. Ouais. Faut vraiment qu'on découvre d'autres espèces. Vous avez le titre légendaire. Juste parce que j'ai fait une colonie à fond. Hein. Donc cette colonie, donc hop. Donc cette colonie, elle peut produire jusqu'à 30. Et c'est donc une de mes plus belles colonies. Hein. On pourrait faire la même chose avec celle-là, mais c'est un peu long. Hein. Voilà, le problème, c'est que c'est long. C'est que ça devient long. Donc, bon, là, nos rapports s'améliorent. Et l'autre, c'est ça. Et c'est pareil. Donc, ben... Mais on n'a pas les sous pour t'acheter, mon gars. Donc, c'est quoi ça? Ok. Et ça donc, gagner des vaches pour prendre de la galaxie. Ok, bon. Alors, parce que j'ai vu qu'il y avait une soucoupe là qui avançait au-dessus, mais voilà quoi. Donc bon. Donc là c'est bon, ça c'est des alliés, ça c'est d'autres alliés. Ici c'est quoi? C'est de l'épice jaune. Ouais. On va voir si on peut améliorer les... Celle-là là. Celle qui est là-bas là, Faber, j'en ai vraiment rien à foutre quoi. Je veux dire, elle produit de l'épice orange. J'en produis déjà sur ma planète mère, ça n'a aucun intérêt. J'ai toujours voulu préférer, enfin j'ai toujours préféré les autres qui produisent d'autres épices et donc qui avec un prix beaucoup plus variant. Ouh. Ah oui, celle-là c'est déjà un T2. Celle-là franchement, il n'y en aurait pas pour long à l'optimiser. Hein. Qu'est-ce qui lui manque? Elle, il faudrait qu'elle diminue en... un poil en température. Donc, diminuer en température. Diminuer en température. Tempête glaciaire. Qu'elle diminue un poil. J'ai quoi en... Alors j'ai des herbivores. Écoutez, vous savez ce que je vais faire. Alors je vais aller sur ma planète mère y déposer 2-3 trucs. C'est vrai que ça c'est une stratégie. Alors attendez, avant je vais faire autre chose. Donc notre la planète, voilà, lui il est notre ennemi, donc on a lui qui est le plus proche. On va aller voir lui. Et on va lui dire d'attaquer Farcia. C'est nickel. Bah oui mec, si je te le propose, c'est que j'ai la thune. Alors par contre celle-là elle est chiante parce qu'elle est loin. Il n'y a que les bleus qui pourraient y accéder.
Là-bas, je pourrais acheter, mais je suis encore qu'à 6 millions. On va attendre. Donc, oui, je disais, alors, on va aller chercher ce qu'il faut. Donc, une fois qu'on aura baissé la température, il me faut quoi? Il me faut... Il faut que je sois sur la planète pour le savoir. C'est un peu idiot. Mais il me faut tout. Ouais, bah oui, bêtement, il me faut tout. Donc, il me faut... Ah ben, il me faut une espèce d'herbe de... Ouais, bah je vais chercher tout ça sur ma planète. Quoique. Est-ce qu'il n'y a pas une planète juste à côté? Non, pas si loin. T'es zéro. C'est quoi ça? Ah, c'est une gazeuse, ouais. Les gazeuses, c'est assez marrant. On peut pas y aller. Par contre, il y a... Voilà. Il y a une lune. Ça... Faut être sympa de se mettre sur une lune. Bon, ici, il n'y a rien. C'est pas habitable. Encore une planète bizarre là-bas. Non, j'aime bien, c'est marrant. C'est vraiment bizarre comme planète quoi. Vraiment la bizarre. Comme si t'avais une génération qui avait foiré mais royal quoi. Bon. Eh ben c'est bon. De quoi? La dernière? J'ai envie d'aller les voir, leur dire tiens, voilà du pognon. Et on fait un acte commercial. Oh oui, je vais faire ça. Je vais les acheter. Et pour pas trop cher en plus. On va faire ça. Ça me fera trois axes commerciaux en plus, comme ça. Et après, on ira plus loin. Pour leur proposer... Allez, on va faire ça. Un million cent. Bon bah non. Non 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 non. Non, bon bah. Plus on a quand même perdu de l'argent. Bon, merci de me recevoir. Ouais, bah ça, achète-les-moi ça. Voilà. Oh, oui, ça tu me l'achètes aussi, ça. 1 400 000. Est-ce que je passe ici rapidement? Ok. Donc je disais, oui, alors on va aller juste rapidement sur la maison mère, à la sur la planète mère. Donc j'ai déjà les herbivores, enfin j'ai déjà une espèce d'herbivore. Ma lune aussi, j'aimerais bien la coloniser, ça serait sympa. Donc, il nous faut un herbivore. Donc, les wobbles là. Ça peut être sympa ça. Allez, hop. Faudrait aussi que je me réoccupe de ma planète mère quand même. Je sais qu'il y a des bâtiments qui ont été... Depuis... Rénover. Ah. Je l'ai vu.
Et il manque juste de la petite herbe. Voilà, cette petite herbe là. Là, il m'en faudra un peu plus quand même. Voilà. Alors, apparemment, j'ai une planète qui... Ok. Bon, apparemment, il y a... Il y a un truc... Attendez. Allez-y, éloigne-toi. Alors. Attendez. Ouais, bon. On s'en fiche. C'est quoi? Ouais, bon, c'est pas leur planète principale. On va y aller. On va y aller, histoire de, voilà, de dire, on... c'est pour notre alliance. Voilà, c'est pour notre alliance. Ok. Résumons, j'ai deux espèces d'herbivores. J'ai tout ce qu'il faut pour le... Pour mon... Ouais, alors. Salut mec. Au niveau du commerce, tu... Oui... Salut. Alors, tu me rachètes quoi d'autre également? Allez. Salut mec. Alors, on est à... Franchement, j'attends d'être à 10 millions pour racheter leur système solaire. Pourquoi je pars par là, moi? Et puis, je suis aussi con, moi, ou comment ça se passe? Parce que là... On peut communiquer et leur demander quelque chose. Nuance. Au revoir. Ok. Et là, les mecs. Alors là, c'est une dernière chance. Ouais, mais c'est... Oh, vous savez quoi? C'est quoi? C'est sur un... Ils sont sur quoi, là? Ils sont sur un T1? Ils sont sur un T0? Non, mais...
Je vais même pas chercher. On va les laisser comme ça. C'est tout. C'est tout, ça nous fait un point rouge, on s'en fiche. Ils sont sur un T0. Ils vont pas nous. Hein, ils vont pas nous saouler, donc. C'est rien, je veux dire, c'est rien. Parce que après, si. Non, on va quand même aller demander. Allez, on demande au bleu de les achever, comme ça au moins on est tranquille. Allez, hop. Je vais même pas regarder combien il voulait pour ça, mais. Mais voilà, au moins. L'Empire Singe, ils avaient qu'à pas nous. Essayer de nous piquer notre pognon. C'est comme ça que ça se passe. Et moi j'ai envie de regarder jusqu'au bout la planète disparaître. Mais on a d'autres choses à fouetter. Alors. On a une planète à convertir en T3. Cette planète à convertir en T3. Alors, on va aller près de notre colonie parce que j'aime... Ah oui, on a deux colonies également. Ah oui, c'est pour ça que c'est un T2. Oui, complètement. On n'a plus de colonies non plus de... Alors, l'avantage des oranges, c'est que c'est des commerciaux. Et chez eux, on a des colonies à pas trop cher. Hein. Et ça, c'est un avantage. Alors, on va donc aller voir notre terraforming. Notre terraforming. Et on va à la tempête glaciaire. Pour diminuer. Voilà. Oh, c'est sympa. Nickel, on est en T3. Alors juste avant toute chose. Voilà. Et donc là, on va pouvoir y implanter donc pour commencer les petites herbes. Nos arbres. Et nos herbivores. Alors les herbivores, c'est le plus chiant. Merde. Loin. Il nous faut encore un plus de... Putain, l'air glaciaire, ça a été trop loin. Je reprends quelques espèces pour être sûr. Ok, alors là on était un peu trop loin. Et ça continue à se rafraîchir, j'y crois pas quoi. C'est trop balèze le... non, alors, ce qu'il me faut, c'est... Bon, déjà ça, je vais le prendre. Voilà, c'est ça, une météorite.
Ouais, voilà, ça nous rajoute. Allez, je suis à deux doigts là. Non, moi là, c'est la bonne. Allez. Ok, donc il nous faut l'autre espèce d'herbivore. Cette espèce est déjà présente sur la planète, donc c'est celle-là. Non, il y a déjà celle-là. Merde. Bon. Bon. Donc il nous faut un autre. Alors, je vais virer tout ça. Donc la soute. Alors ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Et ça non plus. Donc il me faut autre chose. On va aller sur une planète juste à côté. Sur Alberia, il y a l'air d'y avoir des choses intéressantes. Salut les mecs. Alors il me faudrait... Et non, vous n'avez pas des... Oui non, oui non, ici c'est pas la bonne. Pas la bonne planète. Il me faut celle-là, Alberia. C'est un T2 en plus, c'est nickel. Alors il me faut